Et salut à tous et à toutes, c'est Turtle Tony qui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale qui est un nouveau jeu qui vient de sortir aujourd'hui tout fraîchement. C'est Minecraft Story Mode. Donc, sûrement le jeu est en anglais, je pense. Qui n'ont pas encore traduit ça. Bon, je vais essayer de me débrouiller. Je suis pas super bon en anglais, mais on va essayer de faire quelque chose. Donc, je connais absolument pas le jeu. Donc, à mon avis, ça doit être un QTE. Donc, choisissez votre apparence. On va prendre lui. Ah, ah non, ouais, c'est ça, c'est un QTE en fait. Donc, on va commencer l'épisode 1. Ouais, c'est ça. En fait, on aura des choix. Et on aura And every legend, no matter how great, fades with time. With each passing year, more and more details are lost until all that remains are myths, half-truths. To put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the far lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes. And ours was fortunate to have heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Elagard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Zoran, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious, and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. Donc voilà. Donc en gros, when one story ends, il y a quatre aventuriers. Une très forte en redstone, un très fort en PvP. 100 chicken-sized zombies. Or 10 zombie-sized chickens. Qui viennent de tuer l'Ender Dragon. Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor, so you'd have to fight them with your hands. Huh? Huh? What? It's just a dumb question. Forget it. So, I've got a daylight sensor on the roof. Mm-hmm. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Mm-hmm. En gros, elle lui dit que... qu'elle a des capteurs solaires et... quand il fera nuit, ça mettra le jour. What kind of question is that? Of course he okay, is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like, I don't know, amateurs. On va dire que Robin, c'est mon meilleur ami. Robin's my best friend. I thought I was your best friend. Both of you are. I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of it. On n'est pas des losers. We lose all the time. It's okay. What we do. Okay, that might be true. I can't remember the last time we won anything. But if that's the case, it means we win at being losers. All right. Fine. You hear that? Oh, un creeper. Totally freaked out. Now we're on. Axel, what's the matter with you? Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. Ouais, c'est pas drôle ce qu'il nous a fait. Il nous a fait peur. Il nous a pris troll. I brought you good times, and now I'm being punished for it. You scared us half to death. Did you bring the fireworks? Of course I did. Ah, ils ont fait un. The little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? We're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. Là, ils vont faire les costumes.
Bon, on va dire que c'est magnifique ce qu'il a fait. J'avoue que c'est marrant. It only took me like a million hours to build it. Alright, alright. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. If he was really ils vont faire un feu d'artifice. You wouldn't let him go outside dressed like that. The only thing Donc on va s'habiller. Putting a costume on a pig is trying to take it off. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay, okay. Donc on va, je crois qu'on va s'habiller pendant que ils vont on les attend en bas. Ah donc on a des interactions. On va ouvrir le coffre. Shear is definitely taking these. Never know when I might need to shear some sheep. Ok, donc là c'est notre inventaire. On a une épée. On va regarder la petite bannière. One of these days, we're gonna win the Endercon building competition. And when we do, people will look at us and say, hey. There goes Jesse and Ruben, winners of the Endercon building competition. Donc, la bannière montre une compétition de fabrication, à mon avis. On va regarder à Marston. Ouais. Give me a dragon roar, Ruben. Fais-moi le cri du dragon. That'll do, Ruben. That'll do. On peut pas t'en a... Ah mais on peut bouger, d'accord, j'ai pas compris. Ouais, ah par contre c'est... Ah, attendez, c'est en azerty. Voilà, c'est bon. Donc là il y a un coffre. Ok, on a trouvé un briquet. Un briquet des cisailles, je pense qu'on peut tout faire cramer. Faut pas que je m'habille, il faut que je descende direct. That's everything. Let's roll. Yeah, dude. Roll. Let's go. C'est parti. A pretty juicy rumor about the building competition. Il a entendu des rumeurs sur la compétition de. Also, it's in two parts. Each combien part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one. The special guest at this year's Endercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. But if we win, oh man, this would make up for all the losing. Meeting Gabriel would be a dream and an honor. Totally, he's awesome. It'd be amazing to meet him. Ruben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw it, ouais, magnifique en didn't end So... Does this source of yours make posters for a living? Huh? Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. Donc en gros, ils vont faire une compétition. And this year, we've got Ruben with us. We basically have no chance. Oh, ah, et elle dit qu'elle a pas de chance, mais nous, on We're dit qu'on a de la chance. Win. On va win. What are you talking about? Because up to now... We've hated losing, but today, my friends, we're gonna start learning how to love winning. That didn't sound as good as it did in my head. Roy dit qu'il veut toujours gagner. No, I'm with that. All right. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. Donc ouais, je crois qu'ils vont à la compétition de fabriquer. After we finish the fireworks machine like ah, ils vont fabriquer une machine à feu d'artifice en fait. Might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Endermen than creepers. Alors, lui veut faire un creeper. Et l'autre, un Enderman. Ah, oh, un Enderman, je trouve ça trop cool. Olivia's thing. Are you whining? No. Ouais, donc lui voulait faire un creeper et elle voulait faire un Enderman. Yeah. Donc, I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in.
On peut pas le perdre. Allez, c'est parti. Dare to prepare on three. No, no, no. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it. Team on three. One, two, three. Team. Prepare. Donc là, on fait la petite compétition. On cherchait du bois, c'est ça? Ah d'accord. Ah d'accord. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Putain, c'est tout en anglais, du coup c'est inversé. Allez, on tape les roses. On prend les roses au maximum. Allez, on se lève. Un petit abdo. Série de 20. Ouais, si tu pouvais vraiment miner comme ça, ça peut être du hack, hein. Hop, 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 hop. Et on reprend du bois. On va faire une table de craft, là. Ah oui, d'accord. Alors je parie, ils ont rien ramassé, nous on a tout ramassé en fait. Yeah. Ils devraient rajouter des petits cochons qui vous suivent comme ça. We're building, we've got all the stuff for it. We are so ready. This year, it's going to be different. I'm not just ready. Mais ils sont. I'm ready to win. Ils sont prêts pour gagner. Losers. Oh, ça nous insulte. Oh great. There's Lucas and the Ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Okay, nous cherche la merde. Get a load of these losers. Let's go, guys. Ouais, avec leur petite jaquette, hey, c'est la Team Oslo. And how do you do? No, your team name. Team name? Ah. We are not ready for this. On doit créer une, le nom d'une équipe. So much for losing anonymously. On est les Zunderman morts. Oh, sounds like a name for pirates. It's cool. C'est cool. Okay, dead enders. You guys are in booth 5. Donc on est dans la booth 5. Ah. Ouais. Ah. Trop gros. Oh là, ça rigole, mais ça se fout de notre gueule. Putain, les Oslo, ils sont pas si, si lentis que ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut taper un Oslo? Donc, on peut regarder là. On peut pas piquer un petit coffre. Ok. Je vais pas trop m'éloigner du coffre que j'ai vu là. Pas de la musique. Nope. Nope. Très intéressant, bien sûr, hein, mais dès que... Ah, attends, il y avait un truc. Everyone in town is here. Ok, ok. On va rejoindre. Attends, y'a pas un petit coffre là? On peut pas l'ouvrir. Boot 5, c'est là où on est. Is that a freaking beacon? They have a freaking beacon? Ah, ils ont un beacon? Freaking beacon? That's stained glass. They aren't just building a beacon. Ah, ils ont fabriqué un beacon. Eh les gars, on s'en fait pas, c'est pas parce qu'ils ont un beacon qu'ils vont gagner. On a une mascotte, nous. We should probably stop staring at them. Look, it's the order of the. Oh, en plus ça change notre nom de team et ils se foutent de la gueule, hein. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at EnderCon. You're being unpleasant. Maybe not all of you. EnderCon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. Ah, on va lui dire ferme ta gueule. Food. On lui dit ça comme ça. What's that? Jesse said, shut up. Do you need to hear it again? Il nous insulte trop là. I don't know. Maybe. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. You're lucky I'm busy. Est-ce qu'il paraît, je suis chanceux. Guys. Hey Petra. How's the bill going? Only time will tell, but we're optimistic. Hey Petra. I forgot to thank you for that Nether Star. Hey Lucas.
Not a problem. You help these tools? For the right price, I'll help anyone. En gros, elle lui a passé une étoile pour le beacon pour n'importe quel prix. En fait, elle est payée. No hard feelings, guys. Ok. Elle, elle est payée pour genre, en gros, on lui demande quelque chose, un service, genre tu vas me chercher ça et elle va le faire. L'argent. Du coup, j'ai pas lu. Avec la meilleure team gagne. We'll see about that. Ladies and gentlemen, welcome to the EnderCon building competition. The winners of this year's competition will have their build featured at EnderCon. The winners will also meet in person Gabriel the Warrior. En gros, celui qui gagne va voir en personne Gabriel le Warrior, lui qui a tué le dragon en fait au début. Handshake? We don't have a handshake. Ah, on n'a pas de handshake. On n'a pas de petit serrage de main. We'll call it the, Redstone. Moi, je kiffe la Redstone. On va prendre la Redstone. Yeah, yeah. Ouais. Pas très coordonné, ça. And just like that, I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. This year, the Dead Enders can't lose. Allez, c'est parti, les gars. Let's do it. Construisez. Ah, ça sent le QTE. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer? J'aurais jamais fabriqué un truc comme ça, moi. Oh non, un fireworks dispenser. I'm so scared. You worry about your build. Ah oui, ils font, j'ai oublié, le feu d'artifice. Oh là là, ça, c'est nul, hein. Je vous le dis juste, c'est nul. Hein. Oh là là, c'est nul. En fait, on va perdre, hein, je vous le dis. Oh là 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 là. Ah, il se rassure, il se rassure. Ah, ils ont pompé l'idée. Je sens qu'ils ont pompé l'idée. Ils ont volé notre idée, je parie. Wow. This looks so cool. We'll win this for sure. I gotta admit, this Enderman is sweet. Good call, Jesse. Guys, people are looking at us. Good build, man. What? Aye. No way. It's just a bunch of dyed wool. Oh non, la lave. The lava's getting closer. It's gonna ruin the build. Reuben's going to get lost. We've got to do something. But our build is about to go up in flames. On va sauver Reuben. Alors, c'était soit je sauve le bâtiment tout pourri qu'ils ont fait, ou soit je vais chercher Reuben. Je suis allé chercher Reuben. J'étais obligé. J'ai pas laissé un cochon qui respawn toutes les 10 secondes. En fait, je suis con. J'aurais dû. Il respawn toutes les 10 secondes. Mais pourquoi ils sont y allés nous trois, t'es gros, tu... Enfin, je sais pas, non, il marche à 10 km/h, regardez, on l'attend. Pourquoi il est pas allé chercher la machine? The sun's going down. We gotta find him fast. He could have gone anywhere, and this part of the woods is huge. C'est quoi ça? If either of you get lost, just donc là, il est perdu. Il est perdu. Putain, c'est vraiment un Reuben, méchant, le gars. Where are you? Just give me an oink if you can hear me. Donc, non. Pourquoi je regarde chercher un arbre? Je vais regarder ça, les traces de pas. Parce que je pense pas que ça monte dans un arbre, un cochon. De toute façon, je vais tout regarder. Allez, vas-y. C'est un magnifique arbre avec des... Ouais. Oh là, ça sent le feu, ça sent... Là, il y a le feu, il y a le feu. That be Reuben? Je vais regarder, je suis obligé d'y aller. He must have run by here. Ouais, il a mis le feu ici. On va pas regarder, hein. Ça sert à rien. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est passé là. On a un briquet, hein. Bah ouais, t'en prends un. Reuben, are you in there? Pourquoi t'en prends pas un?
Ouais, c'est pas des bonnes traces, ça. Stupid pigs. Stupid kid. On peut pas sprint avec shift. Ah, je regarde les strawberries. Les framboises, je crois, ou je sais plus du coup. Ah. Pas mal. Allez, laissez-moi avancer. J'ai loupé la compétition à cause de ça. On n'a pas pu voir le combattant. Ruben, it's getting scary out here. Oh, c'est la nuit, j'avais pas pensé, c'est la nuit. Et moi, je m'en foutais de la nuit. Oh, 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 on a vu le costume. Ruben, Ruben, oh no, you in there, buddy? Non. Oh, jeez, please don't be toasted, Ruben. Non, non, non. Est-ce qu'il y a une côtelette de porc? Non, il n'y a pas de côtelette de porc. Ah, la jalousie, hein. La jalousie, la jalousie. On va éliminer? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des particules. Oh, non, 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 pas comme ça, please. Il est puissant. Allez, t'es dedans. T'es obligé, t'es dedans. Oh, je sens le truc qui va me sortir dessus. Ah, c'est... ah mais c'est vrai, c'est vrai. Ruben, there you are. Bon, on se casse ici, hein. Ruben. Hope you're ready for some more walking. We gotta hurry back to town if we don't want to run into... Zombie. Zombie, zombie, zombie. Ruben, run. Ah mais t'as une épée, vas-y là. Ça sert à rien, t'as une épée, pourquoi on court? I think we're good. Ah, ah y a pas de QTE, j'espère. Oh là, magnifique. Et hop, le petit QTE. Je savais qu'il y aurait un QTE, je me serais pris la flèche. Ah, oh, ça fait tellement terrifier un truc comme ça. Ah. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on... Allez hop. On avance. Allez. Oh là là, le magnifique QT, on a enchaîné. On recule un petit peu. À droite, s'il est plus près. Ouais, mais tu peux avancer, s'il te plaît? Ah, ok. C'est magnifique. Bah, ils ont très bien codé le jeu, hein. Ça, c'est du Minecraft tout craché. Je peux pas plus avancer, c'est trop buggé. Ah non, je vais pas mettre du pause. Bon, bah voilà, on va jouer à Minecraft, ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font les zombies derrière à part marcher dans le vide? Tourner dans le vide, vide, vide. Oh, j'ai cassé mon épée. Petit disparition. Je sais, tu vas être sauvé par elle qui nous a. Je sais pas, on va être sauvé par elle. Vas-y, je vais courir. Cours, 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 je vais être distrait. Cours, 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 moi je vais distraire. De toute façon, je vais respawn. On va être sauvé, on va être sauvé. Pas de QTE, pas de QTE. QTE, QTE, j'ai rien dit. Allez hop, ça dégage. Ah, j'en étais sûr. Oh, prends les ficelles, oui, c'est bien ça. Allez, c'était
obligé. Je m'y attendais trop. C'est que la guerrière, elle connaît tout. This isn't a really cool, dimly lit tunnel, but how far away is this thing you want to show me? Careful, Jesse. You don't want to get a reputation as a wimp. This isn't my first time in a cave, Petra. Yeah, but have you ever seen a wither skull? Whoa! Fresh from the nether. You're the first person I've showed it to. So, you better appreciate this. You risked your life for that dusty old skull? Oh, I risk my life for the thing I'm gonna exchange for that dusty old skull. There's this guy I'm meeting up with at Endercon. He's gonna trade me a diamond for it. Being the resident go-getter pays off every once in a while. Literally. Is a wither skull worth that much? Are you kidding? For all the trouble I had to go to. On demande si en fait elle a vendu un wither skull contre un diamant et on lui demande si c'est vraiment aussi rentable que ça. Et moi je lui dis you went to the Nether, you killed a wither skeleton. I mean, I did build a super cool statue, but still. En gros, il dit qu'avec une tête de squelette, t'as mis un jour à le tuer et tu vas faire une magnifique statue avec. Mais je pense qu'elle va le faire, le Wither. If you're too nervous, I totally get it. But I wouldn't mind a little backup. What's in it for me? Respect, admiration, not getting punched in the face for saying that just now. Je sais pas ce qu'elle nous a proposé, par contre. Crafting table down here. Comes in handy. Since that wooden sword of yours got busted, you're giving me a new one? Even better, you can make your own. One stick plus two stones. Ah, on va fabriquer une épée en cobble. Elle nous apprend à crafter. Oh, okay, thanks. Hey, is all this stuff yours? No, we're just stealing from whoever was dumb enough to leave this here. Of course it's mine. Just making sure. Oh, here we go. Jackpot. Non mais c'est bon, je sais faire. Ouais, mais tu veux que je fasse. Ah, j'ai une épée, j'ai pas compris. Oh non, je suis trop bête. Ah non, j'aurais pas pu faire un arc. Merci. Ouais, mais elle nous a fait des chemins de fer. Hein. Check it out. Endercon's all lit up. Donc là, il nous remontre la compétition. Sorry, Jesse, but you've got to admit that beacon does look pretty sweet. Yeah, yeah. I just wanted this to be the year we finally beat that jerk. You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. You might want to get to know him, just in case. He's good at building, that's for sure. It's always useful to have a guy like that around, no matter what you might think of him personally. Not a chance. Hey, I know you're still all amped from battle. Just think about it, okay? Come on, let's hurry. Remember what Endercon was like before it was cool? Remember what we were like before? C'est beau, hein, je trouve, hein. Il est pas mal fait, ce jeu. Some of us will never be cool. Ha ha. Ça serait tellement bien, des trucs comme ça, en vrai. Creepers! Oh là 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 là. Elle saute. Attends, mais elle a peur de ça alors qu'elle combat pire. Elle saute. Saute. On jump tout de suite. Oh, c'est badass. Oh, le truc badass. Oh là 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 là. Oh, badass. Super, super, super. Michael Bay au-dessus, hein, c'est écrit, hein. Boum. Oh non, les poulets, ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé. Ah oui, il y a des oiseaux. Ah non, on part en des chauves-souris.
Aïe, ça fait mal. Oh là, ils sont morts, hein. Une chute pareille, normalement. Burns, it burns. Don't you know? You dive into the water. You don't land on top of it. Pull yourself together and follow me. Eh, mais elle va dans Nether sans stuff. Bizarre. Bizarre, 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 bizarre. Just let me know if you see Reuben anywhere. He's gotta be here somewhere. I hope you're right. So, when we're making the deal, I need you to let me do the talking, okay? I just don't want anything to screw this up. Or, ok, donc je vais dire que je vais rester... Elle a dû me dire un secret, j'ai pas lu, j'ai pas eu le temps. Useful, try to look intimidating. Like this? I'm less scared of you than scared for you. Jesse. And ah voilà, ils ont retrouvé. Petra? Hey, you all know Petra, my new super close friend. Ok, Petra, c'est ma nouvelle amie. We ran into each other while I was looking for Reuben. Couldn't find him either, huh? I'm sorry, Jesse. We look everywhere. I saw him, but before I knew what was happening, we were under attack by a zombie horde. I told him to run. It was for his own good. What were you doing in the woods, Petra? Nothing. Just drawn by the sound of Jesse's high-pitched screams. I would have been spider-bait if she hadn't found me. You gotta admit, I'm pretty... Non, en gros, on y explique. I mean, there's no way we were gonna let you go after Reuben by yourself, but... Ah, c'est pas bête, ce truc qu'il vient de faire. Right? More like, a lot disappointed. The saddest of the sad sacks? They deserve this. Olivia, even you've got to admit that. Yeah, yeah. And I agree, but then also still hate them and everything they stand for. Hey, Jesse, it's time to go see about that thing. Oh, right, the thing. Subtle. Yeah? As a punch to the face. Axel and I were gonna head into Endercon anyway. See you in there? Je pense qu'on s'est arrêté un peu longtemps. There's free cake by the map booth. Hurry, we're supposed to meet in the alley over there. Faut qu'on retrouve là en fait. Dark, on y est déjà. That's weird. He said the dark, creepy alley close to the gates, but he's not here. C'est pas mal, les vitres allumées. Sure, this is the dark, creepy alley he meant. I was. Okay, new plan. You stay here just in case this is his moment, and I'll look around. I guess I could have heard him wrong. Then again. Oh bah ok, je reste là, elle m'a dit de rester là. Hold down the fort. Thanks, Jesse. I'll be back before you know it. If he shows up while I'm gone, just stall for me. D'accord. Bon bah nous... Elle trouve un coffre, vraiment. And just who are you? Oh là là, comme par hasard, hein. C'est qui? I'm waiting. Answer me. Non, no, qui toi, qui tu es? If you belonged here, you would know. Unless that's all part of the plan? I'm supposed to meet with Petra, not whatever you're supposed to be. Give me one good reason why I shouldn't walk out of here right now. Well, I'm a very busy man. I'm with Petra. Ok, je dis que c'est son partenaire, mon partenaire. J'ai pas dit qu'elle avait un... We can get started without her. Do you have the skull? Well... You do or you don't? You better not be toying with me. Gros, il veut savoir où il est la tête de squelette. On dit qu'il nous, on dit depuis tout à l'heure qu'il est pas là. I'm not wasting any more time with you. Ivor. Not a moment too soon. Your partner, you're almost soured the deal. Ah, well, that's not good. I left my friend Jesse here while I went looking for you. I've got what you asked for. If you have what you promised us... You didn't say anything about an us when we first met. And I don't like surprises. If these are the sorts of people you associate with... En gros, il vient faire un marché. The whole thing off. My friend is fine, right, Jesse? There's no problem here. Let's not be too hasty, okay? This is just a little misunderstanding. I'm cool if he's cool. It's settled then. You're both cool. Proceed. On est cool, on est cool. Bon, là ils vont procéder au marché. La tête de squelette contre. Je sais pas quoi contre. Par contre, j'ai pas entendu ou peut-être il a pas dit. Take that diamond now. Take it. You've earned it. Ok, il y a le diamant là. Je le sens pas.
Je le sens pas, il va se barrer. This isn't a diamond. No, it's lapis. Oh là là, c'était évident. Dirty, la piste est pas si mal, hein. I can't believe that guy got one. Vous voulez dire ça? Screw this. We're going after him. Ouais, cours. I'm getting my skull back. You'll make him pay, right? Right? Come on. Bon, avant cette course-poursuite contre le diamant, on va se laisser là. Donc, c'est un très bon jeu. Je m'y attendais pas. C'est dommage que ce soit en anglais. Je suis désolé, je suis pas ultra bon en traducteur. J'arrive pas à parler en même temps qu'ils expliquent. Peut-être je mettrai des sous-titres quand il y en aura, ou peut-être pas, je sais vraiment pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Les épisodes sortiront une fois toutes les semaines, ou tous les deux jours, hein, un truc comme ça, tous les deux jours. Pour l'épisode 2, je sais pas combien il y a d'épisodes, je crois qu'il y a qu'un seul épisode pour l'instant. Ou peut-être 5, je sais vraiment pas, mais je crois qu'il y a 5 épisodes. Bon bah je vous laisse là et bonne journée. Ciao.